Salut les trekkers, c'est Alex. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo randonnée cette fois. On est sur Queen Charlotte Track. Queen Charlotte Track, donc 70 km, 3 jours. Ici, je me trouve à Sheep Cove, c'est le départ. Après un petit tour en water taxi. Et Sheep Cove, c'est où le capitaine Cook est arrivé quand il est arrivé sur les îles. Enfin, en tout cas, c'est l'un des endroits qu'il a visité. Ça serait l'endroit où ils ont relâché le premier mouton, on va dire, à l'état en Nouvelle-Zélande. Qui n'était pas une espèce endémique, et donc Sheep Cove, la baie du mouton, un truc comme ça. Bon ben c'est parti, eux ils disent 10h, mais non, hein, on va à Campsite, moi je dis un petit 7h, ça fera largement l'affaire. On avance bien, j'ai fait presque 10 km en 2 heures, donc ça roule bien, hein. Pas très dur. Donc 10 km, 400 plus, 250 moins environ, hein. Je vous donne pas les détails. Mais voilà, pour l'instant ça roule, j'ai la jambe gauche qui tire un peu, mais on va pas y prêter attention et on va continuer parce qu'il nous reste encore 3 fois à faire ça, puisqu'on a quasiment 30 km à faire. Ce soir on dort vers là, donc il nous reste toute la côte à faire jusqu'à là-bas au fond, longer ici, hop, ensuite on repasse derrière et hop là. Il y a 7 mois, en février, il y a eu des grosses tempêtes. Et on peut voir les dégâts là, c'est dévasté. Hein. Ils ont retravaillé la piste, mais dévasté. En tout cas, ils l'ont bien retravaillé. Hein. Mais ouais. Vous avez vu la rigole? Ça, il y en a partout maintenant en Nouvelle-Zélande. C'était carrément un glissement de terrain, on voit tous les arbres qui sont couchés. Et là, mais les lits de rivière sont défoncés. C'est un truc de fou furieux. Wow. Salut. Matin du deuxième jour, il est 9h. Ça fait 10 minutes que je suis parti. J'ai que... entre guillemets 25 km à faire aujourd'hui, mais un petit peu plus de déplu je pense, parce qu'on a 4 fois 400 à faire, 2 fois 400 à faire, donc on va être toujours des 1000-1002 je pense, un peu moins ensoleillé mais ça reste convenable. On attaque directement dans la montée dès le début et je me suis fait défoncé par les sandfly. Les sandfly, c'est des sortes de mouches, moustiques, qui vous mordent. Et ça vous défonce. Et surtout le soir ou le matin. Et là, c'est ce matin, elles m'ont défoncé les jambes. Pour la nuit, ça s'est bien passé. J'ai pas eu froid avec le quilt. Blenheim, on va y aller. Kaikoura, on va y aller. Havelock, c'est juste. Je suis déjà allé, je crois. Picton, on y est. Franz Josef, c'est un glacier, on va y aller. Nelson, c'est vers là-bas, on va y aller. Ça, je sais pas ce que c'est. Je sais pas ce que c'est. Christchurch, on va y aller. Dindin, on va y aller. Je sais pas ce que c'est. Et Queenstown, on va y aller.
On est dans la partie jungle. C'est assez humide, tout à l'ombre. Enculé, je faisais une sieste, il m'a piqué. Hé ! Putain ! Bâtard de merde là ! C'est merde là. Ça pique tout. Je viens d'arriver à Cauchette B, l'abri des vaches. Il est 16h, donc c'est cool. Là, j'attends que ça sèche depuis ce matin. Et aussi, j'ai remarqué hier soir que j'avais oublié ma cuillère, ma fourchette. Sauf qu'il y avait des gens gentils qui m'en ont prêté, sauf que là, c'est pas le cas. Donc, je vais essayer de me fabriquer une cuillère dans ce truc en bois là, avec le couteau. Je vais essayer de filmer ça, mais je sais pas si je vais pouvoir poser le téléphone. Désolé pour ceux qui aiment pas la vue des pieds, et voilà à quoi ça ressemble. J'ai creusé un peu au milieu là pour que ça fasse un récipient. C'est pas si mal, je suis content. Ça pourrait être amélioré, hein, mais c'est vite fait avec un petit couteau, donc c'est cool. La petite lunaire solo, parfaitement pitchée. Écoutez, la jungle se réveille, c'est abusé. Matin du troisième jour, il nous reste 20 km. Il est 7h45, ça fait 3 minutes que je suis parti. J'ai mis une heure pour me préparer. Ouais, on part plus tôt, enfin, je pars plus tôt parce que on doit prendre le water taxi à 15h30. Donc bon, je pense que je serai au quai vers 14h, 14h30. En étant parti à 7h40. Bon 5h, même 13h. Et je profitais de la plage comme ça. Et puis là, dès le camp, un petit 60D+, juste pour atteindre le col. Le col entre guillemets, hein. Le sentier principal pour rejoindre Queen Charlotte Track. Allez. J'étais en train de me dire, putain, je suis moins en forme que les autres jours. C'est normal, c'est le troisième, souvent le troisième et le quatrième, ce qu'on dit, c'est... c'est les plus durs. Je regarde ma montre. Je suis quand même à 575 mètres à l'heure en montée. Donc ça va, je suis pas si garé que ça. Pas de vue aujourd'hui. C'était prévu que vendredi fasse un peu plus mauvais. Bon, après là, il est aussi que 8h. Hein. 8h20. Ça peut se découvrir. C'était prévu. Qu'il y ait même peut-être de la pluie, mais bon. En Nouvelle-Zélande, ça change tellement une vitesse vite que ça sert à rien un peu de regarder la météo. Quand vous voyez une bonne fenêtre, faut y aller. C'est ce que j'ai fait. J'ai eu deux jours beaux, le troisième est un peu... mais au moins c'est frais pour faire du D+. Ça y est, le beau temps est de retour. Il fallait juste attendre 10 heures, comme d'hab environ. Allez, on continue, on est à mi-chemin de la dernière étape. On a fait 10 km 5, il nous reste 10 km 5. Et voilà les trekkers, Queen Charlotte Track est terminé. On a le petit quai qui est juste là pour aller reprendre le water taxi qui est quand même dans... on a mis 4h48 pour faire l'étape, pour faire 20 km. Donc super. Puis pour l'instant on va profiter de la plage, regardez-moi ça, je vais vous montrer ça.